copains, extrêmement ravis de vous retrouver. Nous sommes à Menton et c'est le jour, comme chaque semaine, de retrouver le club des Pichoun avec Monsieur Pichoun. Comment ça va? Pingouin, il a essayé de parler, il avait un... Ça va, Pingouin? Attends, j'étais en train de demander à Pichoun s'il avait passé une bonne semaine. Ok, oui. Prêt? Dis donc, j'ai appris des choses. Ouais, on m'a dit que tu étais en train de préparer tes vacances. Aux îles Canaries. Tes vacances, non. Sans vous. Mais si. Ah bah non. Ah bah si. Mais non, on m'a dit que c'était tombé à l'eau. On m'a dit que c'était tombé à l'eau. Pichoun, c'est tombé à l'eau. On a commandé nos billets. Alors, tu sais quoi, Pingouin peut pas aller dans les îles Canaries non plus. Il va avoir trop chaud. Si, il a prévu de la graine solaire. Avec un Z. Comment ça va donc, Pingouin? Super. Bon, tu sais ce qu'on va faire, parce qu'évidemment, tout au long de cette émission, on va retrouver des défis, des jeux, l'expérience de Valentin à découvrir. Il y aura des petits ballons aujourd'hui. Des ballons. Des ballons. Aujourd'hui, on jouera donc avec des ballons de Baudruche. Et puis, il y aura des dessins animés, vos dessins animés préférés. Pour en savoir un petit peu plus, les copains, regardez bien, voici le sommaire. Et tu as bien fait de choisir Télé Pichoun. Je t'invite à t'installer et à prendre place avec au sommaire de ton émission. Dans quelques minutes, Molang, qui comme un bonbon qui pétille, t'amènera le bonheur, le réconfort et l'amitié dans un univers kawaii. Suivront deux lapins pour le prix d'un. Tout d'abord, Didou qui t'apprendra à dessiner des choses fabuleuses et Milo qui, comme un frère, retracera ta vie et celle de tes amis. Puis, tu partiras en voyage sur le vélo de Mook et Chavapa. Quel pays et quelles coutumes te feront-ils découvrir aujourd'hui? Surprise! Jasper le pingouin, de son côté, te fera vivre ses aventures avec Emma et d'autres habitants de la ville. Ils sont deux à te faire rire, un chien surdoué qui possède un QI de 250 et un lycéen arrogant. Tu l'auras compris évidemment, je te parle de Corneille et Bernie qui te donnent rendez-vous dans la deuxième partie de ton émission. Enfin, c'est Diego et Ziggy, le jeune dromadaire et le raton laveur entouré de leurs amis, Tony le scorpion, Zazie l'autruche, Joe le Fennec et Larry le lézard qui termineront le club des Pichouns. C'est l'heure, comme chaque semaine, de retrouver le mime Pichoun. Le principe du mime Pichoun, c'est deviner ce que va mimer Pichoun. C'est simple, hein. Le principe est raconté dans le jeu d'ailleurs. Pour ce faire, eh bien, écoutez bien les indices que vont vous donner Pingouin et Valentin, puisque forcément ils ne vont ça pas se trouver en 2-2. Et avec un petit peu de chance, Pingouin, vous allez pouvoir être plus rapide que. Est-ce que vous êtes prêts à jouer avec nous derrière votre poste de radio? Non. Mais devant votre poste de télévision? Oui. Alors ça tombe bien. 3, 2, 1. Top mime Pichoun, le premier, c'est quand tu. Pingval. C'est la team Pingval. C'est toi. Un arc-en-ciel? Ah. Tu te fais toute belle? Pichoun se frotte. Moi. Oui. Toi. C'est pas facile, je vous donnerai un indice tout à l'heure, mais c'est pas facile. Un sapin. Toi. Sapin de Noël. Il a chaud. Il a chaud. Non, c'est pas ça. Tiens. C'est pas ça. Et Pichoun a mimé un sapin. 1, 2, 3. Soleil. Et on chante. Ah, mon beau sapin. Mon beau sapin. Roi des forêts, que j'aime ta verdure. Et c'est une bonne réponse de la team Valpingouin ou de Pinval, je sais pas. Mon beau, tout beau, comme ça tu te frottais. Mon beau. Voilà. Mais une chorale, Pingouin. C'était pas mal, ça aurait pu être effectivement une chorale. Attention, on a le temps d'en faire un second. Où ça se tripouille le cerveau pour savoir s'il y a un deuxième. Est-ce que tu l'as en tête ou est-ce qu'il faut que je te le rappelle? Tu l'as en tête, alors c'est parti. 3, 2, 1, deuxième mime Pichoun. Bon, c'est facile. Allez, Pichoun, il nous l'a offert, c'est gratuit. Voilà, la team Pingval. Corde à sauter. Corde à sauter. C'est gagné. On rejoue évidemment au Bim Pichoun la semaine prochaine. D'autres jeux avec Pichoun, le Rébu Pichoun, le qui est Pichoun, ce sera dans le courant de cette émission. Et puis n'oubliez pas l'expérience de Val et beaucoup d'autres surprises. Vous restez avec nous, on ne bouge pas. Le club des Pichoun revient dans un tout petit instant. A tout de suite.
Les amis, nous sommes toujours à Menton où nous nous sommes installés durant quelques semaines pour, en votre compagnie, fêter Noël, Noël qui arrive petit à petit. Et là, c'est l'heure de retrouver le défi tout de suite. Et pour ce défi, les copains, j'ai besoin, et vous aurez besoin, de ballons de baudruche. Trois ballons. Trois ballons et peut-être pour vous la possibilité d'avoir deux mascottes. Alors, vous pouvez l'adapter à votre sauce. Pour nous, c'est très très simple. Chacune des mascottes, Pingouin et Pichoun, vont devoir tenir le ballon le plus longtemps possible en le tenant par la tête. Comme ça. Raté. Mais moi, j'y arrive pas. Voilà, hop, ils doivent le tenir comme ça. Et donc, si jamais il tombe, le ballon est perdu. Et à chaque ballon, vous avez chronomètre. Trois. Vous avez trop. Non, il n'y aura pas de chronomètre, on va le faire comme on ça. On compte à la voix. Un. Voilà. Dès qu'il est parti. Non, non, parce qu'ils vont le faire ensemble. Donc dès que le ballon est tombé. Ah, c'est un point pour l'un, il est plus pour là. Le ballon tombe, il est fini. Si Pingouin a ses trois ballons, alors que Pichoun en a perdu déjà que un. Pingchoun. J'allais dire Ping. Ça va, Pingouin, ça va. Ça va, ça va. C'est pas beau de se moquer, c'est pas beau. Forcément. Oui, j'ai froid. Ça doit être ça. Tu lui donner son écharpe. Donc dans ces cas-là, Pingouin aura un petit peu d'avance. Ok, vas-y, c'est juste une question d'avance. Je garde est-ce ton que écharpe. Vous êtes, ils sont pires que des enfants. Mais non, c'est pas facile. Pichoun, je t'assure, c'est pas facile. Il a besoin que son écharpe. D'accord. Alors, attention. Donc, toi, tu vas aider Pingouin. Oui, oui. Et moi, j'aide Pichoun. On y va. Hop. Que je fasse pas traîner l'écharpe de Pingouin par terre, surtout. Donc, il n'y aura pas de chrono parce que... Je vais positionner le ballon sur la tête. Val, il n'y aura pas de chrono parce qu'on a fait un essai et il y a peu de chances que ça dure une minute. T'es tellement grand, mon copain. Attention, tiens, hop, Val, je suis prêt, moi. Je suis prêt. Alors, attention. Quand tu me dis top, je lâche le ballon. Alors, tiens, tends la main. Attention. Vas-y, tiens-toi droit. 3, 2, 1, top. Bouge, vas-y, vas-y, bouge. Non. Bouge, mais bouge. Attends, oh. Oui, il est pas tombé. Eh si, il est bien rattrapé. J'ai rattrapé. Bon, ah, tu l'as fait tomber en premier. Je pense que c'est Pichoun, c'est Pichoun. Oui, attention, Pichoun. Attends, décale-toi, j'arrive, bouge plus. Top. Allez, non, bouge plus. Ah, mais non, il est tombé, c'est pas grave. Mais tiens, vas-y. C'est pas grave. Bouge plus. Bouge pas. Non. Le but, c'est qu'il ne bouge pas. Je vais essayer de le faire maintenir. C'est fou. Attends, on va faire l'électricité statique. Ah, ta loupette, elle m'aide pas. Oh non. Allez, co, bouge pas. Vas-y. T'as gagné, copain. Bon. C'était pas probant, mais effectivement, c'est Pingouin qui a remporté la manche. Oui, oh non, ça... oui. Attends, je voudrais juste qu'on essaye un truc là, parce que c'est Pingouin qui a remporté la manche. Je vais le tenir. Ah, j'ai une idée. Et je te dis de non, pas regarde bouger ce que tu peux jusqu'au faire. Moment où tu bouges. T'aurais pu faire ça. Ouais, mais moi, je triche pas. C'est là, évidemment. Voilà. Allez, danse. Danse, Pingouin. Ouais, quelle force. Bon, le but, évidemment, c'était de ne pas bouger. Et mais ensuite non, de bouger. Il faut s'adapter, ouais. Mais quand on voit mais pas bon, grand-chose... C'était pas facile. C'est Pingouin qui a remporté la manche, mais de peu. Et en tout cas, vous pouvez c'est le faire à la maison. C'est grâce à l'équipe. Vous pouvez, évidemment, complexifier le jeu, utiliser les mains, faire comme ça pendant une minute. Bref, c'est sans avec fin. Le bout du... Avec le bout... Ah, bah tiens, regarde. Hey. C'est pas facile. Avec le bout du nez comme ça. Allez, la club des Pichoun continue. Tu dans un instant. Sur les Pichoun. Alors, c'est parti pour l'expérience. Exactement. De Valentin. Et le professeur Valentino. C'est ça, j'ai mis ma blouse. Chaque les semaine. Les tenues changent, mais la blouse ne change pas. Exactement. Chaque semaine, je n'ai toujours pas attaché ma blouse. Non, c'est bien. C'est en bien. Plusieurs semaines. C'est bien. Chaque semaine, effectivement, le professeur Valentino vous explique des tours de magie qui sont en fin de compte des tours de magie quelque peu scientifiques. Exactement. Et là, tout est posé sur la table pour faire mon tour d'expérience. Quel est-il ? Comment s'appelle-t-il d'ailleurs aujourd'hui ? Le popcorn magnétique. Le popcorn magnétique. Exactement. J'ai ici plein de petites billes d'aluminium. D'accord. Des petites boules de papier d'aluminium qui font la taille à peu près d'un grain de maïs. Ouais, c'est ça, c'est petit. Hein. C'est un grain de riz, quoi. Bah, un grain de maïs, c'est à peu près cette taille-là. Oui, c'est ça, à peu près. Pour faire du popcorn. Et j'ai, comme je t'ai dit tout à l'heure, dans le sommaire, un petit ballon baudruche. Orange.
La couleur importe peu, le tout étant d'avoir un ballon de baudruche. Attends, bouge pas trop parce qu'après moi on va être malade. Un ballon de baudruche, un plaid ou des cheveux. Ah oui. Pourquoi? Pour donner l'électricité, s'il vous plaît. Donne. On va frotter. Pas trop, hein. Si. Ça va craquer. Mais non. Ça va péter. C'est le but. Ça va péter. Comment ça, c'est le but? Paf. Une fois que notre ballon est chargé en électricité. Attention, parce que ça se joue maintenant. Oh oh. Wow, extraordinaire. Attends, on peut le refaire? Bien sûr. On va les rassembler. Je vais tourner mon ballon parce que le côté frotté, on va le frotter sur ma tête cette fois-ci. Qui a le plus de. Bon, c'est toi. D'électricité statique. C'est toi le champion. J'ai plus de cheveux après. Statique. Hop. Je sais pas comment je vais prendre. Oui. Oh. Extraordinaire. Extraordinaire. Alors, ça, évidemment, c'est sans aucun danger. On peut le faire. Ah oui, oui. On peut le faire seul. Exactement. On peut le faire entre copains, on peut le faire à la maison, mais maintenant on veut savoir l'explication. Lorsque on frotte un objet, peu importe l'objet, on va créer de l'énergie. Oui. On va faire une expérience dans l'expérience. Les copains, prenez vos deux mains, collez-les et frottez-les ensemble. On frotte, on frotte, on frotte, on frotte, et on frotte de plus en plus vite. Qu'est-ce que tu sens à l'intérieur de tes mains? Ça chauffe. Exactement. Ça chauffe. Tu sens de la chaleur. Oui. Donc, lorsqu'on frotte deux objets ensemble, on va créer de l'énergie. Là, cette fois-ci, on crée de la chaleur. Cependant, notre ballon... Il est baudruche. Exact. Déjà, il est baudruche. Il est en plastique. Il est en plastique. Caoutchouc, ouais, en plus caoutchouc. Souvent en latex, etc. Et bien, cette matière-là, lorsqu'elle est frottée, elle va créer, en plus de créer de la chaleur, de l'électricité statique. Voilà, c'est le truc qu'on voit, je cling. Exactement. Et ce qui est marrant avec le terme électricité statique, c'est que c'est bel et bien de l'électricité. Et l'aluminium, qu'est-ce que c'est? C'est du fer. Conducteur. Ah, c'est conducteur, d'électricité. C'est de l'aluminium. Autrement, on appelle ça du fer. Du papier de fer. Voilà, c'est du papier d'aluminium. Donc en fait, l'électricité qui va être sur mon ballon, stockée sur mon ballon, va attirer. L'aluminium, un peu comme un aimant qui va les faire sauter. Et c'est pour ça que des fois même, il reste collé à mon papier, à mon ballon. Et donc, c'est une expérience que là, tu vois, ça ne fonctionne plus parce qu'il n'y a plus d'électricité. Mais si on refrotte, ça remarche même pas. Contre un tissu, moins bien. Moins ça bien. Refonctionne. Moins bien, mais ça marche un peu. Les cheveux, c'est ce qu'il y a de mieux pour charger en électricité. Ou des pulls aussi. Ou des pulls. Ah, des pulls en laine. Ah, des pulls en laine, ça c'est radical. Voilà. En tout cas, c'est une super expérience à refaire à la maison. Vous le savez maintenant, surtout, à chaque tour de magie, il y a souvent une expérience scientifique. Merci, professeur Valentino. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite du club des Pichoun. A tout de suite, vous ne bougez pas. Nous sommes toujours à Menton, vous regardez TV Pichoun, c'est le club des Pichoun. Je vous demande d'accueillir chez vous, comme il se doit, Monsieur Pingouin. Monsieur Valentin. Bonsoir. Et Monsieur Pichoun. Pichoun d'ailleurs, qui va venir nous rejoindre dans un tout petit instant, puisque c'est l'heure de retrouver le Rébu Pichoun. Le Rébu Pichoun, regardez, il s'affiche tout de suite en bas de votre écran. Vous avez un petit peu d'avance par rapport à Valentin et à Pingouin. Le but de ce jeu, c'est que vous soyez promis à découvrir le Rébu du jour. Pour ce Vive faire, ici, sur le plateau, eh bien, Pichoun va dessiner et Dieu sait qu'il va sortir son talent extraordinaire. Pichoun, c'est quand tu veux, tu te mets devant. Mm-hmm. Pichoun a fait un trait. Oh, une sorte de U. Oui, ça ressemble à un U. Tu vois bien, Pingouin? Je vois bien. Bah... Un croissant? Un sac à dos. Un sac! Écrit un sac! Tu penses que c'est un sac? C'est un sac. Une trousse? Une besace? Non, c'est un sac. Un sac. La lettre A. Oui, alors, Pichoun, il va falloir faire un peu plus complexe quand même. Oui, non, mais là, c'est donné. Je sais pas, t'as fait un pacte avec Pingouin ou quoi? Un sac à... Un dé? Sac à dé? Ah, le verbe saccader, être saccadé. Tu penses que c'est la bonne réponse? Pichoun, est-ce que c'est la bonne réponse? Saccader est la bonne réponse. Ça mérite quelques applaudissements de l'équipe de Valentin.
et de pingouins, d'autres rébus. J'espère que vous étiez meilleur que Valentin et Ah là, ça a été facile. Oui. Bah, quelques jours avant le grand jour. Oui. Des on ne voit pas donc le rapport avec Saccadé. Eh ben, c'est juste pour être facile. C'est pas Saccadé. Ah oui, c'est ce qui faut être gentil, il faut que ce soit simple. Très, très gentil, c'est pour ça. Merci Pichoun. Merci Pingouin. Merci Valentin. On revient évidemment dans quelques minutes pour la suite du Club Day. Pichoun. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va être sympa. On fait ça comme ça? Bien sûr. Bah, c'est parti alors. Dans quelques jours, le Père Noël passera chez vous, certainement, puisque vous avez été sage tout au long de l'année, pour déposer au pied de vos sapins ou d'autres arbres d'ailleurs. Hein. Il y a des gens que je connais, des palmiers de Noël. Ils prennent des palmiers de Noël, d'autres qui prennent des cactus. Quoi qu'il arrive, le Père Noël sait où il y a son lieu de rendez-vous et je vous invite vivement à rester sage au moins jusqu'à la fin de l'année. Quoi qu'il arrive, nous allons jouer au Qui est Pichoun. C'est parti, jingle, et on se retrouve juste après. À tout de suite. Tu Pichoun aujourd'hui, dis-moi dans l'oreille. Ah, deux possibilités. Si Val et Pingouin sont rapides, eh bien il y aura un deuxième qui est Pichoun. Et s'ils sont... Mais moi aussi Pingouin, je t'aime. De quoi? Je te fais des milliers de bisous. Allez, tu as gagné. Allez, c'est parti, donc un ou deux Pichoun, c'est parti. On y va? Allons-y. Alors Val, tu poses la première question. Ah, je pose. Pichoun, es-tu un animal? Ça fait longtemps. Non. Objet. Non plus. Pichoun, es-tu comestible? Non plus. J'ai déjà dit animal. Bon, je fais une autre question, le temps que tu réfléchisses. Est-ce que tu es un personnage? Non plus. Là, je voudrais revenir sur l'objet. T'es un peu dur, Pichoun. Tu les mets un peu dans la galère, quand même. C'est pas un être vivant, non plus. Et c'est pas un objet. Pichoun, es-tu un métier? Moi, je dis ça parce qu'après, il va pas être content. Hein. Non, ce n'est pas un métier, par contre. C'est pas un métier et c'est un vrai faux objet. Ah, on pourrait considérer ça comme un objet quand même. Oh. Pichoun, es-tu créé par l'homme? De toutes pièces. Un pain? D'épices. Du pain d'épices. Pas grand. Est-ce que tu es un jeu? Ou un jouet? Ah! Tu peux être un jouet. Tu peux être un jouet. D'accord, ça peut être un jouet. Est-ce qu'on doit te construire manuellement? Sois plus explicite. Est-ce que... C'est pour t'aider, hein, parce que est-ce si jamais... Est-ce que, en assemblant plusieurs pièces de toi, on forme un tout... Oui. Oui, hein, oui. Puis est-ce que oui. C'est un puzzle? Non. Dommage. Ce n'est pas un puzzle. Est-ce que tu es grand? Alors, ça dépend si t'es en jouet ou si tu n'es pas en jouet. Si tu es un objet ou si tu n'en es pas. Je suis perdu. Est-ce que tu es en rapport avec Noël? Non. Non. Oh non, 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 non. Toute l'année. Et on peut construire. Ah, visiblement, c'est pas facile. Une grue? Demande Pichoun. Demande non, de pingouin. Mais on commence à s'approcher. Est-ce que tu as des outil éléments? Un outil, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par outil? Ah, un outil, un tournevis, non, une scie, alors non. Mais ça peut être un outil de travail, c'est ça que je veux dire. Ah oh. Et on n'est pas loin, il a dit la grue tout à l'heure, hein. Pingouin a dit la grue. Un tracteur. J'ai dit, non, non, j'ai dit, ne vous éloignez pas trop non plus, voyez. De la grue? Non, pas forcément de la grue, mais du chantier? Non. de ce qu'on utilise, de l'élément, de... Ah. Un indice. Demande. Un indice. Alors, un indice.
Parce que là, on est perdu. Pitoune nous a piégé. Je vais juste faire un indice, mais en rappelant un peu ce qui s'est passé, ce qui s'était dit. Pitoune a dit, c'est pas un objet. J'ai dit, attention, t'es un peu dur. Tu risques de les mettre sur la mauvaise voie. C'est un objet. Malgré tout, c'est un objet construit par l'homme. D'accord. Qui peut être soit un jouet, soit pas un jouet, qu'on utilise quotidiennement et qui sert également pour aller travailler, etc. Une voiture ? Je sais pas. Moi, je propose une voiture. Et Pitchoun, c'était si évident que ça. Et Pitchoun a dit la voiture, c'est donc une bonne réponse. Il n'y aura pas deux qui est Pitchoun. Eh non, on a été trop parce que vous avez été un peu trop loin. Les enfants, peut-être qu'en revanche, une voiture rapide. C'est un objet, du coup. Bah oui, c'est ce que je dis, c'est un objet quand même. Bah, c'est un objet, mais Pitchoun avait décidé de vous ralentir dans votre élan. T'en penses rien. Ralentir dans votre élan. Allez, d'autres qui est Pitchoun, évidemment, dès la semaine prochaine. On revient, nous, dans quelques minutes pour la suite du club des Pitchoun. Surtout, vous ne bougez pas, vous restez avec nous, car on n'a pas fini de s'amuser. À tout de suite. Les copains, nous sommes toujours à Menton et c'est l'heure de retrouver le défi de Guillaume. Et ce défi, les copains, aujourd'hui est très simple. Vous voyez, j'ai des balles. Mais Valentin a une balle. On va jouer au jeu de la patate chaude. La patate chaude, c'est très simple. J'ai un chronomètre. Ce chronomètre, je vais lancer une minute. Non. Pendant une minute, Valentin, Pingouin et Pitchoun vont devoir se lancer la balle le plus rapidement possible. Faut pas la manger. Si la balle tombe, je vous remets une autre balle. La balle n'allez pas la chercher. Okay, du coup, on peut faire exprès de la garder dans les mains et jouer avec le feu. Je vous déconseille. D'accord. C'est jouer avec le feu. Je ne vous donnerai pas d'indice. Quand c'est une minute, c'est une minute. Mais si on compte dans notre tête, ah bah, vous pouvez compter, ça dépend. Mais d'accord, moi, c'est moi qui donnerai le top. Attention. Donc, j'ai besoin de vous tous les trois. Vous avez compris, la patate chaude, c'est très très simple. Est-ce qu'on se met en triangle ? Je vous invite à faire le plus simple pour vous quand même. Voilà, comme ça, on sera plus d'accord simple de se passer la balle. Et évidemment, ce jeu, vous pouvez le faire à la maison avec des copains et des copines. Et vous pouvez même augmenter la difficulté, c'est le but. Et mettre deux balles. Par exemple, Nous, on va pas le faire. Réflexe ! Parce que, voilà. Parce que... C'est vrai ? Tiens ! Tu vois, voilà, c'est presque ça. Tiens, oui. Voilà, vous avez compris. Non, c'est pas lancé, c'est pas lancé. Voilà, vous avez fait un petit essai. C'est bon. Ça va pas être facile, hein. Ça va pas être facile. Vous avez trois balles. Si la une, si les trois balles ont été sont tombées après la minute, avant la minute, vous avez tous perdu. Ok. Allez, attention. 3, 2, Pitchoun. 1, top. Tiens. Ah, vas-y. Tiens, Pitchoun. Tiens. Hop, oui. Vas-y. Oui. Oui. Ah, de nouveau, dis-le non quand même. Ah, trop tard. La dernière, je l'ai. C'est pas grave. Pitchoun, non, mais c'est pas arrivé dans ton œil. Attrape, Pitchoun, non. Oh, vas-y. Pingouin. Non. Tiens. Pitchoun. Non. Tiens. Oui. Non. Tiens. Ouais. Ah, mais non. Tiens. Vas-y. Oui. Non. Fais un puits, Pitchoun, avec tes bras. Fais un puits. Oui. Fais un puits de tes oui bras. Maintenant, jette la vite, par contre. Pingouin, pareil. Oui. Attends, oh là là. Oui. Le pingouin, il est fort, pingouin. Hop, hop. Oh oui. Attention. Non, pas attention, je ne dirai rien. Pingouin. Hop. Non. Oh là là. Pingouin. Non, non, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai eu le droit. Pitchoun. Non. Tiens. Stop. Stop, personne n'a gagné. Parce que personne ne l'avait gardé dans mais la non, main. Non, si on a la balle et on est éliminé, moi je les ai jetés. Moi je suis pas éliminé. T'es éliminé? Non. Pitchoun, t'es éliminé? Ah non, parce que personne donc, n'avait... Donc Guillaume a perdu dans ce cas-là, personne... Ouais. Guillaume a perdu. Oui, ouais. Alors, ça s'appelle contourner les règles. Pour être très honnête, je suis pas tout à fait t'as d'accord. T'as précisé au début du jeu que si on avait une balle au top, on avait c'est perdu. La balle, oui. Bah, et qui avait une balle dans la main au top? Moi non. Pingouin non plus. Pitchoun non plus. Donc tout le monde a gagné. Voilà. Tout le monde a gagné. Mais bon, on sent un peu la main quand même. Je me suis fait avoir à mon propre jeu. Pas d'autres défis, évidemment, dans cette émission. D'autres jeux, bref, vous restez avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à la fin et bien d'autres fois encore. Les copains, c'est l'heure de retrouver le jeu culturel de cette émission. Prenez place puisque c'est l'heure de retrouver le qui va gagner des bonbons. Le qui veut gagner des bonbons, trois questions, tirage au sort, soit par Pingouin, soit par Pitchoun.
évidemment des propositions. Vous jouez avec nous d'ailleurs, hein, les copains, puisque les propositions s'affichent en bas de votre écran en même temps sur votre télévision. N'hésitez pas à vous faire aider par papa et par maman. Il y a non pas des bonbons, mais des billes à gagner cette semaine encore. Ces billes, eh bien, vous les remportez une bille à chaque fois que vous remportez un point. C'est donc une question. Et à la fin, c'est la dernière question, c'est une question de rapidité, le tout ou rien. Vous remettez en jeu l'intégralité de vos billes, on les multiplie par deux. Et donc pour vous, la possibilité de remporter un sac de billes. Ok ? Est-ce que vous êtes bon ? Une chaussette de Noël de billes. La semaine dernière, qui avait joué en premier ? C'était Pingouin. C'était Pingouin. Alors c'est Pichoun qui tire la première balle. Pichoun a tiré la question A. A comme anatomie, Pichoun. Oh ! Combien l'être humain a-t-il de doigts en tout ? Réponse A, 5. Réponse B, 10. Réponse C, 15. Ou réponse D, 20. C'est pas facile. C'est pas facile. A, B, C ou D. Tu dis la lettre D. Et c'est une bonne réponse, Pichoun. Une bille, une bille blanche. Une explication de Valentin. Bien blanche pour toi. Lorsqu'on regarde nos mains et qu'on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on a 10 doigts. Oui. Mais il ne faut pas oublier nos pieds. Et ils on a 5 doigts à chaque pied, ce qui nous fait un total de 20 doigts. Allez, Pingouin. Qui est loin d'être un manchot. Va me donner. Allez, hop, 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 la voici, la voilà. La B. La B. Question B. Oh, ça va lui plaire. Pour Pingouin, question géographie. Quelle est la capitale de la France ? S. Réponse A, Paris. S. Réponse B, Berlin. S. Réponse C, Rome. S. Réponse D, Madrid. Pour Pingouin, la capitale de la France est Paris. Avec une dédicace aux poissons. C'est une bonne réponse de Pingouin qui dédicace à toute sa famille cette réponse, en tout cas. Alors, il y en avait d'autres. Quelles sont les capitales des autres ? Blanche, enfin transparente. Il y avait Berlin, qui est la capitale de l'Italie. Il y avait Berlin, la capitale de l'Allemagne. Tiens. Et il y avait Madrid, la capitale de l'Espagne. Allez, il reste donc une seule et unique question, c'est la question C. C'est la question de rapidité que Valentin appelle la question de l'arnaque. La question de l'arnaque, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Il faudrait juste que Pingouin ressorte. Attention Pingouin, je tire l'œil. Attention, je vais t'invalider tes propositions. Vous avez la possibilité de ne pas attendre les propositions pour répondre. N'oubliez pas de taper pour que je puisse prendre votre réponse, en tout cas votre proposition en jeu, en tout cas je puisse la valider et ensuite on donne la réponse, d'accord ? Attention, soyez très attentifs. Combien de syllabes écrites le mot coquelicot compte-t-il ? Pingouin. 4 syllabes pour Pingouin. Donc pour toi, tu dirais coquelicot, C'est une bonne réponse, Valentin. Et il remporte la chaussette de billes. C'est pour toi. Pour s'amuser avec tous ses copains. La chaussette de billes. Déjà, la syllabe. Par exemple, si on prend le mot Valentin, combien y a-t-il de syllabes ? Valentin, il y en a trois. Les syllabes sont ce qui va permettre de découper votre mot pour déjà d'une part apprendre la signification, apprendre la prononciation, également si vous devez faire des rimes et compter, par exemple, faire des poésies, faire des alexandrins, ça se compte alexandrin syllabes. Ah, non, donc, coquelicot, 4 syllabes, co, que, li, écho. Merci beaucoup Valentin, bravo Pingouin qui remporte une nouvelle fois le qui veut gagner des billes ou des bonbons. Pichoun, tu rejoins avec nous dès la semaine prochaine et nous on se retrouve dans quelques minutes pour la suite et la fin de cette émission. À tout de suite.
Pichoun, il est où, Pingouin? Mais c'est pas possible, Pingouin, d'être là. Mais c'est la fin de cette émission. Et voilà, et ça, et voilà, et voilà. Bon, c'est pas grave, on lui fait un gros bisou si on le voit pas d'ici la fin de cette émission. Et vous avez vu, je suis pas tout seul. J'ai à mes côtés Monsieur Christophe. Et vous savez qui c'est, Monsieur Christophe? Eh bien, c'est le directeur technique de la ville de Menton. Extrêmement ravi de vous accueillir. Déjà, merci de nous accueillir chez vous. De rien. Depuis quelques semaines maintenant. Et moi, je suis ravi de vous accueillir sur ce plateau. Vous allez un petit peu nous expliquer qui vous êtes. Vous êtes Christophe, ça c'est une belle chose. Vous êtes directeur technique, c'est bien, c'est un très joli mot. Mais c'est quoi un directeur technique dans une ville comme Menton? Alors en fait, tout simplement, je dirige les ateliers qui réalisent tous ces beaux décors donc, dans les jardins et également qui m'occupent des illuminations de Noël dans les rues. Alors justement, quand on parle des décorations de la ville de Menton, c'est combien d'illuminations sur l'intégralité du territoire? Et c'est combien d'heures de travail, une équipe, j'imagine qu'il y a beaucoup de monde? Oui, oui, bien sûr. Donc c'est l'ensemble des services qui sont concernés, puisqu'il y a le centre technique, il y a les espaces verts, qui sont pleins de petits lutins qui réalisent tous ces beaux décors, et d'accord, également les éclairages des jardins. Et puis il y a plus de 420 motifs dans toute la ville, avec également des structures 3D sur les giratoires, qui sont des éléments vraiment... vraiment spectaculaire que l'on va pouvoir retrouver dans l'ensemble de la ville au niveau des illuminations de Noël. Alors les illuminations commencent le 3 décembre, ont commencé le 3 décembre et se terminent le 1er janvier. Alors c'est du 2 décembre au 2 janvier. Au 2 janvier, pardon. Là on est dans les jardins de Biovès, qui est quand même très thématisé. Le Père Noël, on a le Père Noël, il mesure combien? On posait la question tout à l'heure en antenne, combien mesure ce Père Noël? 6 mètres. 6 mètres de hauteur. Alors lui il est... presque à nu, il n'est pas décoré de luminosité, il n'y a pas de lumière. Alors, il y a des projecteurs, hein, donc du coup, lui, il ne va pas étinceler par rapport effectivement à des illuminations, mais tous les motifs sont mis en lumière également dans les jardins Biovès. Et puis, il y a un motif tout en bas qui, lui, est constitué d'éléments lumineux, nappés d'organza, donc qui sera le motif illuminé des Biovès. C'est combien de temps de préparation, d'organisation? Alors, le thème, il est prévu un an à l'avance. Donc ça, c'est cette année, donc c'est l'atelier du Père Noël. D'accord. Et puis après, il nous faut à peu près 6 mois pour réaliser l'ensemble de ces décors au sein de nos ateliers. Vous avez d'autres projets, j'imagine. Le gros projet de l'année à venir, au mois de février, c'est évidemment la fête du citron. C'est la 89e, c'est la 89e fête du citron. C'est un projet qui est énorme hein, depuis donc pratiquement 90 ans. Là, c'est pareil, j'imagine que vous êtes déjà en train de travailler dessus, si ce n'est déjà fait. Absolument. Donc là, on a la quasi-totalité des structures métalliques qui ont été réalisées. Et là, cette année, ça va être la course parce qu'on a un calendrier qui est très proche entre la fin de Noël et le début. Eh oui. Donc, puisque c'est la mi-février, donc on aura déjà l'ensemble des structures dans les Biovès, puisqu'on est sur les mêmes sites. Donc, et il va falloir très très vite démonter Noël pour réinstaller la fête du site. Eh bien, en tout cas, n'oubliez pas, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur cette magnifique ville, sur les diverses activités qui vous sont proposées tout au long de l'année, on a parlé des fêtes de Noël, on parle également de la fête du citron. Il y a un site internet qui s'affiche en bas de votre écran, www.menton.fr. Merci beaucoup, Christophe, d'être venu rester avec nous. Nous, on va vous laisser. Les copains, on vous souhaite une très très belle journée. N'oubliez pas, avec Val, on se retrouve demain et avec Francis également en DAB+, sur la radio ou encore derrière vos enceintes connectées ou sur Internet. Et puis la rediffusion de cette émission samedi à 9h du matin, à 21h le soir et dimanche entre 17h et 19h. On vous embrasse et à la semaine prochaine.